Ma chère Laetitia, cette semaine, le salon de l'agriculture ayant ouvert ses portes à Paris, c'est comme tu peux t'en douter avec beaucoup de curiosité que je m'y suis rendue avec Sylvie pour voir de quelle manière le monde des végétaux y était représenté. Merci. Merci. Or, si la grande famille des Bovidés et celle des Équidés occupaient une place de choix sous l'immense pavillon 1, c'est avec regret que j'ai dû constater que tout ce qui concernait les plantes potagères herbacées avait été plus ou moins réuni dans un endroit minuscule au fond du pavillon 2, qui de surcroît n'offrait aux yeux du public que des variétés hybrides issues de semences génétiquement modifiées. Ne sachant alors que penser de cette manifestation qui semble pourtant attirer tant de monde et prenant conscience du long chemin qui nous restait à parcourir pour faire entendre notre voix, je cherchais alors un moyen d'alerter l'opinion publique quand je fus soudain emporté dans un mouvement de foule et interpellé par un homme en parka rouge. C'est un flyer de ma chaîne YouTube Marceline L'Aubergine que j'ai créé avec Sylvie. C'est pour parler des semences anciennes et reproductibles. Parce que comme avec Gaston, on n'arrive pas à se reproduire parce qu'on est hybride, ben j'ai aussi fondé une association. Poussez pas derrière. Vous êtes installé où? À Paris 6e, et au château de la Mauge. J'irai regarder votre chaîne YouTube. Oui, vous verrez, hein, c'est très intéressant d'avoir plein d'autres sujets. C'est très bien, je trouve. Merci. C'est très malin. Bravo. Je vous bien votre démarche. Merci à vous, bon courage. Merci, au revoir. Ah ben, il est très bien ce Laurent. En espérant que cette journée n'aura pas été vaine, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à Aix-en-Provence où nous devons retrouver, comme tu sais, Pierre Rabhi.